Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Difficiles Aventures. On se retrouve dans la zone contemporaine, juste à côté de l'observatoire astronomique et bien sûr à côté d'un magnifique beacon qui a bien servi, comme vous l'avez vu dans le timelapse. Et oui, j'ai entrepris enfin la terraformation de cet endroit. On va se mettre en vue normale pour en profiter un petit peu plus. Donc ici, comme partout ailleurs, il y avait de la jungle, il y a encore quelques temps, et maintenant nous avons une zone beaucoup plus propice à la construction. Donc j'ai terraformé, donc j'ai enlevé tous les arbres, j'ai ensuite aplati une bonne partie des petites montagnes, genre comme celle-ci encore en face là, qu'il faudra que j'aplatisse aussi, hein. Je n'ai pas non plus aplati tout de manière complètement uniforme. Il y a encore un petit peu de relief, il y a quelques zones qui ne sont pas toutes plates, mais dans l'ensemble c'est quand même beaucoup mieux pour construire. Ici on se retrouve avec cette rivière, mais vous voyez elle est complètement moche, hein. À certains endroits elle est coupée, à certains endroits elle est toute petite, alors qu'en fait c'est la rivière principale qui traverse la ville. Donc cette rivière il faudra aussi l'aménager, la terraformer. Là vous voyez que c'est tout moche, ça fait pas rivière, alors que on veut que ça fasse une jolie petite rivière. Ce sera pas, ça sera jamais un grand fleuve dans cette ville, mais ce sera bien une petite rivière, et il faut qu'elle soit plutôt sympa, parce que dans cet endroit, si je l'ai terraformé, c'est que j'ai plein d'idées. C'est en partie Halls qui m'a donné l'envie de commencer cette zone, puisqu'elle a fait récemment un live sur un serveur public, le FLAC, sur une zone moderne, et elle a fait des immeubles de type new-yorkais, un peu comme on peut voir à Brooklyn ou à Harlem, enfin vous savez, des immeubles un peu en briques, un peu vieillots, mais qui font partie des cités contemporaines américaines, comme New York par exemple. Et donc j'ai très envie de construire ce type de bâtiment dans la ville. En plus, vous voyez qu'on est un petit peu loin de la zone des gratte-ciels, on ne les voit pas parce que la zone d'affichage n'est pas suffisamment lointaine, mais du coup je me disais que ça serait bien d'avoir ce genre de transition, c'est-à-dire là-bas près de la plage, on a des quartiers très récents avec des modernes des immeubles très modernes, très futuristes presque. Et puis ici, on a une zone un peu plus ancienne, un peu plus plus d'habitation populaire avec des immeubles plus petits. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'on a plein d'autres trucs à faire avant ça, mais enfin, je voulais vous en parler quand même, vous montrer un petit peu où va aller la ville contemporaine. Donc bien sûr, il y aura tout un système de routes à tracer, des bâtiments à délimiter, et puis après, on aura tout ce quartier en briques, donc il va falloir que je farme beaucoup de briques, et qui ira jusque là, je pense, jusqu'à la petite lagune que je vais en grande partie combler. Cette zone-là, je vais la combler parce qu'elle est pas très profonde déjà. Donc ce sera pas trop compliqué à combler. Ça fera une belle surface supplémentaire pour construire, pour agrandir la ville. J'ai déjà prévu quelques plans, mais pas encore trop définitifs pour cet endroit-là, mais il y en a quelques-uns. Et c'est surtout que je vous avais parlé une fois ou deux, ou je ne sais plus, enfin bref, je vous avais déjà parlé d'un futur projet de barrage hydroélectrique, puisqu'on a la rivière qui continue et qui arrive ici. Et le futur projet de barrage hydroélectrique, j'y tiens, et il sera dans ces montagnes qui sont là, on les voit un peu, hein. Enfin j'y reviendrai plus tard, mais tout ça pour vous dire que derrière ces montagnes-là qu'on voit là, il y aura un immense, et quand je dis immense, c'est vraiment immense, lac de retenue, puisque ça englobera aussi ces montagnes là qui sont très mal générées, mais qu'on re-terraformera. Et du coup je me disais que ça ferait un peu bizarre d'avoir et l'immense lac de retenue et ce lac pas très profond ici. Donc c'est pour ça qu'ici il y aura sûrement une digue. On pourra faire, ou alors on pourra faire comme un style polder, un peu comme les Néerlandais, avec un système de moulin ou de pompe, je ne sais pas. Ouais, ça pourrait être rigolo de garder dans l'esprit que cet endroit est une zone asséchée avec des canaux éventuels et des petites maisons à la hollandaise. Pourquoi pas, là je vous dis ça, j'y pense en même temps que je file, donc pourquoi pas. Bref, en attendant, plutôt que de blablater indéfiniment, on va quand même aller faire un petit peu de construction. On a plein de choses à faire, j'ai plein de choses à vous montrer dans cet épisode, et notamment on va commencer tout de suite par revenir sur le gratte-ciel de l'épisode précédent.
Alors, nous y voici, nous y voilà. Donc, vous avez été très, très, très nombreux à commenter l'épisode précédent et je vous en remercie énormément. J'essaie de répondre à la plupart des commentaires et j'y arrive. Donc, normalement, j'ai répondu à peu près à toutes vos remarques, mais des fois, je ne tranche pas. Par exemple, vous m'avez proposé beaucoup de noms pour les gratte-ciel et j'attends d'en avoir plein de propositions et je préfère y revenir en épisode plutôt que de vous dire directement dans les commentaires ça, j'aime pas. Alors, pour le gratte-ciel, noir et violet, on va l'appeler comme ça, noir et bleu cyan peut-être, je ne sais pas, bref, vous m'avez proposé pas mal de choses, il y avait pas mal de noms aux alentours, de... enfin aux alentours ça veut rien dire, mais autour de mon pseudo, Oran Tower, Oran je sais pas quoi, ça me tente pas trop, donc j'ai pas encore trouvé dans vos propositions des choses dont je sois satisfait à 100%, il y a quelques idées, donc si jamais, enfin il y a plein d'idées, mais je veux dire, si jamais je trouve pas moi-même une idée qui m'accroche vraiment, je pourrais piocher dans tout ce que vous avez dit parce que vous avez proposé plein de choses bien mais rien qui me fasse sauter au plafond on va dire. Par contre pour celui-là je pense que j'ai trouvé, je pense qu'on va l'appeler le domino, je ne sais plus à l'heure où je recorde qui a dit ça mais je mettrai le commentaire en surimpression par-dessus la vidéo, faut que j'y pense, Oran, pense-y, pense à le faire. Bref, j'aime bien cette idée de domino, le côté noir et blanc me plaît bien par rapport au point des dominos, et voilà, donc je pense que celui-là, on va l'appeler le domino. Et puis, vous avez été très nombreux à me dire que vous préféreriez que j'enlève les dalles de quartz qui sont en dessous, là, celle-ci, je suis trop bas. Voilà, celle-ci, vous avez été nombreux à me dire si ça rajoute un peu de relief, enlève-les. Donc, eh bien, écoutez, les amis, c'est parti pour les travaux. On va enlever ces dalles de quartz. Allez, mode travaux on. Et voilà les amis, les travaux sont terminés, donc ça y est, tous les balcons ont perdu leurs petites dalles de quartz. Ça m'a fait un paquet de dalles à récupérer quand même, ça c'est plutôt positif parce que le quartz hein, c'est toujours très 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 précieux. Donc voilà ce que ça donne quand on le voit depuis le sol ou depuis la route. Donc ouais c'est vrai que ça rajoute du relief, ça fait bien, donc vous aviez raison je pense que c'est très très bien maintenant comme ça. J'en ai profité, j'ai rajouté aussi une petite pancarte, le domino, voilà je ne sais pas si la pancarte restera ici parce que je suis pas sûr que l'entrée restera comme ça, mais bon il faudra travailler tout ce qui est autour évidemment, le sol, enfin le parking, le petit jardin autour, enfin il y a plein de choses à faire, mais en tout cas voilà ça y est, les balcons sont débarrassés de leurs dalles et ça c'est une bonne chose de fait. Maintenant on va complètement quitter la zone contemporaine et on va se retrouver dans la cité Maya puisqu'avec Ger et au cours de nombreux lives nous avons bien avancé sur un monument emblématique de la cité Maya et de toutes les cités Maya qui existent. Je veux parler du jeu de balles, donc on se retrouve tout de suite dans la cité Maya.
Et voilà les amis, on se retrouve comme je vous l'avais dit dans la cité Maya devant le jeu de bal qui est terminé. Donc on a beaucoup beaucoup bossé avec Ger au cours de plusieurs lives pour réussir à faire ce jeu de bal. On s'est inspiré de plusieurs monuments historiques, je vous en mettrai un ou deux dont j'ai retrouvé des photos. Donc certains sont en ruine et puis d'autres sources d'inspiration sont plutôt des reconstitutions, toujours au niveau des couleurs vives que vous avez déjà vu souvent maintenant dans la cité Maya, hein. On reste sur du rouge, du gris orange, du gris tout court, et puis ce côté bleuté qu'on met en général en haut des bâtiments pour faire ce genre de frise, et que l'on a remis ici sur le petit temple. Alors, j'ai donné beaucoup beaucoup d'explications lors des lives, donc je vous invite, si ça vous intéresse aussi, à aller voir éventuellement les rediffs, mais on va faire ici un petit résumé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu de bal et pourquoi faire un jeu de bal dans une cité Maya? Eh bien, tout simplement, les jeux de bal sont des jeux sacrés pour les Mayas. Ils sont très très importants dans la vie religieuse et dans la vie politique de la cité Maya, parce qu'en fait, ce ne sont pas simplement des sports au sens où on l'entend, au sens moderne du terme, hein, pour nous distraire, etc. Non, non. Les jeux obéissent à une logique rituelle, et en fait, les deux équipes étaient en fait les représentants de, pas de cité, mais en tout cas de conflits dans la société. Tiens, il y a le petit gâteau de GR, on va manger un petit peu. Et en fait, l'équipe perdante pouvait, c'était pas systématique, hein, mais pouvait être sacrifié pour tel ou tel dieu. Donc il y avait vraiment un côté religieux. Alors la partie se déroulait à l'intérieur de ces lignes là qu'on a matérialisé avec ce bloc de prismarin. Donc il y avait les deux équipes qui jouaient avec une balle très lourde, hein, 1 ou 2 kilos je crois, je sais plus, mais très lourde en caoutchouc pleine, hein, c'était une balle qui n'avait pas d'air, donc elle était très lourde. Du coup, pour ne pas se casser les mains ou les pieds, on ne pouvait la frapper que avec les articulations, donc les genoux, les coudes, pas la tête, hein, on n'avait pas le droit à la tête de toute façon, sinon la tête elle explosait. Et le but c'était de ne pas faire tomber la balle au sol. On pouvait jouer sur ces espèces de comment dire, de pentes ici, qui normalement dans la réalité, hein, sont bien lisses, mais là dans Minecraft on est obligé de faire des escaliers, mais dans la réalité c'est tout lisse, donc on pouvait jouer sur les côtés ici comme ça, hein, et donc on devait se renvoyer la balle. L'équipe qui faisait tomber la balle avait un point de pénalité, et donc à la fin du match l'équipe qui avait le plus de pénalité perdait la partie. Et on avait aussi un autre système pour cette fois-ci gagner la partie directement, c'était de faire passer la balle par ces trous. Alors ils sont à différentes hauteurs, dans certaines cités mayas il n'y a pas ces pentes, et donc il y a juste un mur vertical et l'anneau de pierre est assez haut par rapport au joueur. Et puis dans d'autres cités Maya, eh bien tout simplement l'anneau il est à la hauteur où on vient de le mettre, hein, et donc il n'est pas très très haut, il est à peu près à hauteur d'homme, mais il est au niveau de ses parties pentues, donc c'est pas forcément non plus évident d'y aller et de contrôler la balle tout en la faisant rebondir sur ses articulations. Bref, un jeu qui ne devait pas être très facile. Je crois qu'il y a des tentatives modernes pour faire revivre ce jeu qui fait complètement partie de la culture Maya, mais je vous avoue que j'ai jamais vu de vidéo, ce serait intéressant d'aller en voir, par exemple, je suis sûr qu'il doit y en avoir sur YouTube, mais j'en ai pas regardé, moi je me suis surtout intéressé aux bâtiments. Alors du coup, ce jeu de balle, il est présent dans toutes les cités Maya, mais bien sûr, il est différent dans chaque cité. Moi, j'ai choisi de faire deux types de gradins. Donc ici, il y a des gradins, on va dire, pour la partie populaire de la cité, hein. On se place ici sur le gradin et on observe le match. Donc ça faisait venir beaucoup de personnes, hein, parce que l'aspect religieux était important, mais il y avait aussi un aspect festif, évidemment, qui comptait beaucoup. Et puis, de l'autre côté, on a un gradin un peu plus VIP, un petit peu plus prestigieux, et ça ce serait plus pour les autorités religieuses, voire pour le roi de la cité, donc qui peut grimper sur son gradin par plusieurs escaliers. Avec Ger on en a installé un aussi derrière, je vais vous le montrer parce que l'arrière on l'a fait différemment, voilà, comme ça. Et du coup les personnes un petit peu plus VIP non seulement peuvent assister au match ici, hein, s'il fait beau par exemple, on pourrait imaginer qu'ils tendent des tentures, hein, pour se protéger
du soleil, par exemple, ou de la pluie éventuellement, mais ils peuvent aussi tout simplement y assister à l'intérieur, protégé, et on peut imaginer ici qu'il y a de quoi faire quelques rituels aussi religieux, hein. On pourrait imaginer un hôtel pour faire des offrandes, ce genre de choses, pendant ou avant ou après le match, enfin voilà, je ne sais pas trop après exactement quel était le protocole. Mais enfin voilà, donc cet élément vraiment central de la vie d'une cité maya, le jeu de balle, est enfin terminé et franchement je suis très 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 content. Donc on l'a fait en live encore une fois et c'était très sympa. Allez, je finis le gâteau. C'était très très sympa parce que j'ai eu vraiment de la peine à faire certains patterns et notamment là le côté ici de la tribune. Et du coup, vous avez été très nombreux à me donner des conseils, des idées. Donc, je vous en remercie beaucoup. Et à Ger, évidemment, qui est passé avec moi et qui a énormément construit. Alors, il s'est amusé. Normalement, attendez, où est-ce que je peux voir ça là? Si je casse juste un escalier, voilà. Ger et sa manie de ne pas vouloir laisser de zone vide. Donc, le temple est entièrement plein de terre, il s'est amusé à remplir ça alors que bah voilà, si je casse ici vous allez voir que ça c'est un temple que moi j'ai fait ici. Voilà, il y a du vide ici, hein. C'est tout vide. Mais ça, c'est un temple que moi j'ai fait et les temples que Ger lui veut faire, et bah ils sont pleins comme dans la réalité, je dirais, hein. Mais voilà, donc il n'y a pas de vide là-dessous, ou très très peu. En tout cas, voilà, donc j'espère que ce jeu de balle Maya vous plaît. Moi, je trouve que déjà la cité Maya, eh bien, elle commence à avoir une plus fière allure. Il manque évidemment plein de petits bâtiments entre les deux zones, hein, la zone des PNJ là-bas et puis la zone historique on va dire ici, mais vous inquiétez pas, ça va venir. On a en projet avec Ger de raser la forêt qui est par là et puis de commencer à faire un peu de terraforming, et puis surtout parce que le terraforming encore ça va, il va pas y en avoir des masses, mais c'est surtout délimiter les futurs grands temples qui vont se dresser ici au cœur vraiment de la cité, et ça sera vraiment cool, ça va devenir vraiment impressionnant. Je crois pas l'avoir montré en vidéo aussi, je l'avais montré juste en live. Il y a Corfandar qui a fini de faire un chemin complètement RP entre son empire et la cité Maya, donc il a fait ce chemin ici qui est très sympa, peut-être un peu avec des couleurs très vives, et du coup il faudra voir après avec les bâtiments si ça gêne pas d'avoir trop de couleurs vives au sol, mais en tout cas là comme ça il est vraiment très sympa, donc pourquoi pas utiliser ce pattern aussi au milieu, faudra voir. Et puis il a fait du coup un petit pont pour franchir une porte qui n'est pas du tout historique mais qui rend vraiment bien, je trouve qu'elle est très sympa, et du coup une fois qu'on prend ce petit pont, je vais quand même vous le montrer de côté, voilà, donc on a ce petit pont. Une fois qu'on prend ce petit pont là, eh bien on franchit une zone de transition et là on retrouve l'architecture très corfandienne de la cobble, de la stone brick. Et là voilà, on n'est plus dans la cité Maya, là on part vers autre chose, on part vers l'empire de Corfandar, mais il y a vraiment des centaines de blocs donc je ne vais pas y aller, c'est trop trop loin. Il a... tiens, si t'en as pas besoin Corf, je te l'emprunte, c'est filmé, tu sauras, on en a besoin, enfin Greby en a besoin, il est d'ailleurs en plein travail sur le serveur avec Darkby et Greby. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites, je peux pas tout vous montrer parce que ça ferait trop trop de vidéos, mais sachez que Greby a fait un live sur le jeu difficile qui est enfin terminé, donc si vous voulez aller voir cette longue partie que nous avons faite, allez-y, le jeu est très 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 sympa, un peu dur peut-être à regarder parce que on a modifié les règles pour qu'ils soient un peu plus dynamiques au fur et à mesure de la partie, mais il est très 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 sympa. Et du coup Greby a beaucoup travaillé sur l'usine à Wither Skelet, elle est finie, elle est fonctionnelle, on a plein de beacons et du coup maintenant il est en train de faire le tunnel de l'usine à Wither, et donc c'est pour ça qu'il a besoin de glowstone. Je vais aller lui apporter mais je ne spoile pas, je vous invite à aller voir ses épisodes qui ne manqueront pas de sortir et où il vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Bref, cet épisode n'est pas terminé, je blablate mais ça se trouve ça va être un épisode très long, mais c'est pas grave. On se retrouve dans la cité contemporaine puisque j'avais envie de commencer un petit peu le système de route dont je vous ai parlé là pour la future zone un petit peu Brooklyn, le quartier Brooklyn de la ville, et du coup il fallait faire un pont. Alors on se retrouve en timelapse pour la construction d'un joli petit pont qui va changer pas mal du reste de la cité. Allez, à tout de suite dans la cité contemporaine. We'll be right back.
Et voilà les amis, on se retrouve devant ce petit pont bien sympathique. J'espère que le timelapse vous a plu. On aura fait beaucoup de timelapse dans cet épisode, mais c'est très bien comme ça. Et bien voilà. Voilà le pont qui va relier la zone de la base militaire et puis éventuellement le futur hôpital qu'il y aura par ici, mais on en reparlera plus tard, et qui va relier tout ça au quartier Brooklyn, New York, dont je vous ai déjà parlé en début d'épisode. Donc j'ai fait aussi hors caméra cette petite route ici qui relie bien les anciennes routes jusqu'au pont, et puis bien sûr il reste encore plein de rues à tracer dans ce quartier, mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant on va regarder ce petit pont, enfin petit, finalement il n'était pas si petit que ça, et il n'est pas, comment dire, c'est pas un pont modeste, hein. C'est un pont quand même un petit peu de Richou. Comme vous le voyez au niveau des matériaux, j'ai utilisé des matériaux que j'avais jamais utilisés auparavant pour de la construction, à savoir les briques de l'End qui rendent vraiment bien avec ce petit côté un petit peu jaune, très pâle, très clair. C'est pas encore la même teinte que le grès, vous voyez qu'au niveau des escaliers et des dalles, ici là il y a une petite différence entre l'End brick et le grès, mais bon, on n'a pas d'escalier, on n'a pas de dalle en End brick, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et puis j'ai marié le tout avec de la brique normale, la brique classique, et ça c'est plutôt sympa. J'ai jamais vraiment beaucoup construit avec la brique classique, mais là le mariage rend très bien. Après j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fait une barrière en enclume et j'ai même mis, comble du luxe, des œufs de dragon. On en avait dupliqué pas mal une fois pour casser le toit du Nether, donc on en avait un petit stock, donc du coup j'en ai profité, j'ai fait ce petit ajout de décoration en œuf de dragon. Donc moi j'aime bien, ça fait un peu comme s'il y avait des statues ou des monuments, enfin en tout cas des parties un petit peu améliorées sur ce pont. Donc ce pont, vous le voyez, hein, c'est un pont contemporain, il y a une route dessus, mais c'est pas pour autant un pont très très moderne dans le style. On pourrait le trouver dans des vieilles villes américaines ou européennes, et c'est exactement ça que j'avais dans l'idée. On est vraiment dans un quartier ici qui va être plus vieux, un quartier plus modeste aussi de la ville, et donc je trouvais ça très très bien que le style soit différent des grands buildings, des grandes structures que l'on a de l'autre côté, plus proche de la baie, où c'est vraiment le luxe, la modernité, voire même parfois un peu le futurisme. Là on est dans du concret, on est dans de l'ancien, et ça va bien aussi avec la base militaire, parce qu'après tout la base militaire elle est peut-être vieille, on n'en sait rien. Donc voilà pour ce pont, j'espère qu'il vous plaît. On va regarder un petit peu plus en détail la structure en dessous, parce que il y a quand même des petites choses que j'aimerais vous montrer au niveau des arches. Donc j'ai utilisé de la pierre lisse, oui, de la pierre lisse pour la voûte, mais pour les arches en elles-mêmes j'ai utilisé plutôt du quartz. J'avais pas vraiment de matériaux lisses comme ça avec des dalles qui me permettent de faire ce genre de d'arche différemment, donc j'ai utilisé du quartz. Au milieu j'ai remis une arche, mais cette fois-ci en stone brick, et puis voilà les petites voûtes en slab qui rendent bien. Moi je les aime bien. Je les aime bien, ces petites arches, et ça rend pas mal. J'ai aussi élargi un petit peu la rivière, mais il y aura encore beaucoup de terraforming à faire autour de la rivière pour avoir quelque chose de correct. Et puis sinon, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la voie en elle-même, du bitume. J'ai utilisé, comme vous avez pu le voir, essentiellement des carpettes, parce qu'en recouvrant la terre, eh bien, on n'y voit que du feu. Et puis même, ça m'a été très 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 utile à peu près au milieu du pont, voilà, ici. C'est-à-dire qu'en fait la couche de dalle que vous avez vue en dessous, elle est vraiment très très proche de la rue, et donc ça m'a permis de faire quelque chose de fin. Si j'avais dû mettre des blocs pleins, il aurait fallu que j'épaississe le pont. Là, bah voilà, il y a un petit trou, hein, regardez, hop, je peux tomber dedans si j'y arrive, voilà. Mais ça ne pose aucun problème de le recouvrir avec les carpettes, et du coup, voilà, c'est très bien comme ça. Hors caméra, j'ai aussi mis de l'éclairage caché sous les carpettes, on y voit que du feu, et j'ai mis les petits lampadaires. Ce qui fait toujours mieux que les torches. Voilà donc pour ce joli petit pont et le début de la zone Brooklyn, on va l'appeler comme ça pour l'instant, de la cité contemporaine. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des Difficiles Aventures. D'ici là, passez 2 très bonnes semaines et je vous dis à bientôt les amis. Salut, salut !